ben vous vivrez. Ça veut dire mon qui mourit selon la chair là, mon qui vit sur la chair qui mourit spirituellement, lui-même il n'est pas en mesure pour l'adorer Dieu. Parce que Dieu recevra, il pas recevra adoration selon la chair dans même personne monde. Parce que Christ parmi la personne monde selon la chair. Paul dit, si vous connaissez, nous ne connaissons personne selon la chair, si vous connaissez Christ selon la chair, mais plus de cette manière. Ça veut dire que, enseignement ça nous est souligné pour conclure, si yon moun c'est selon la chair la pas adorer Dieu, il va même perdre du temps, il met à le chèque en côté de chita. Dieu va nous adorer sur ça. Nous te dis que dans Jean 3, 23, 24, il te dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Et ce sont là les adorateurs que le Père demande. Car Dieu est esprit et il faut ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Ce n'est pas en la chair, non, en esprit et en vérité. C'est-à-dire contact que nous avons avec Dieu, relation que nous avons avec Dieu, c'est selon l'esprit qu'il y a. Ce n'est pas selon la chair. Parce que tout le monde qui baptise en Christ, il fait avec Christ, il a un seul esprit. Ce n'est pas un seul chair, non. L'or avec madame ou avec Marie, vous faites un seul chair. Mais avec Christ, c'est un seul esprit parce que Christ n'est pas la chair. Parce qu'il n'a pas fonctionné sur la chair avec personne d'autre. D'où la raison pour laquelle Jésus-Christ dit dans Jean 14, 26, le Père est plus grand que moi. Oui, parce que l'esprit, c'est le Père qui est différent de l'enveloppe qui est Jésus-Christ homme. Hein, l'esprit est plus grand que la chair. Puisque l'esprit est plus grand que la chair, Jésus, le Père est plus grand que moi. Pas oublier dans Matthieu chapitre 1, il dit que Marie était enceinte par intervention de cet esprit. C'est cet esprit qui cause Marie enceinte. Ça veut dire papa Jésus homme. C'est cet esprit qui est lié. D'où cet esprit, le Père. Ok? Et Jean 4, 24 a dit que Dieu est esprit, c'est le même esprit. Donc nous reconnaissons que le Père en tant qu'esprit est plus grand que la chair de Jésus-Christ. Dans lequel se trouve l'esprit qui est le Père. Parce qu'enveloppe ça, Jésus-Christ prend temporairement. Et ça qu'elle passait par Marie pour prendre enveloppe là. S'il pas passé par Marie, il pas capable enveloppe ça pour Père là demeurer dans enveloppe ça qui c'est cet esprit là. Qui c'est esprit là. Dieu est esprit. OK? Donc il passait par enveloppe là. Donc l'esprit ça contre enveloppe là, il est plus grand que enveloppe ça qui c'est le corps de Jésus-Christ. Vous avez dit le Père est plus grand que moi. En le texte Jean 6, 63 dit, la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Donc, la chair est inférieure à l'esprit, qui c'est Dieu lui-même, qui c'est le Père. Donc, le Père est plus grand que moi, c'est tout à fait biblique, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait raisonnable pour les gens qui comprennent qui est Jésus-Christ. Parce que vous avez pour arriver à expliquer sans cela. Parce que tes mondes ont souvent demandé, oui, non. Jean 14, 26 ans, expliquez-moi. Jésus dit le Père est plus grand que moi, ça veut dire quoi? Même côté sœur Abdou Sato. Moun qui croit que y a toi Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Trinité, ceci, cela. Et pas oublier, moun sa yo, aucun adhère ou pas qu'à sauver. Et tant que bon Dieu continue à révéler l'autre monde pour connaître ça, c'est très bien. Mais aucun monde, pas y a aucun monde qui paraît connaître Jésus en tant que Père, le seul Dieu Tout-Puissant, moun sa pas qu'à sauver. Mais personne ne pas qu'à sauver. Aucun monde. Sous pas j'aime quoi le mettre quoi le gounia. Et c'est une raison tout qui cause que l'église, parce que l'église traditionnelle, yo baptisé mon nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que pour yo quoi que trois dieux. Pour yo quoi que Jésus-Christ distinct du Père. Ce n'est pas lui le Père. Donc yon moun qui croit ça, il va sauver. Jésus déjà dit dans Jean 8, 24, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que, virgule, je suis. Elle dit, pas quoi que c'est lui, papa? Ou péris? Donc ça dit, il n'est pas révélé tel qu'il y a avant. Donc nous comprenons, si tu as demandé, tu as dit,
expliquez-moi le texte. Jésus dit, le Père est plus grand que moi. Vous êtes censé, oui. Puisque la chair est inférieure à l'esprit, l'esprit est plus grand que la chair, plus supérieur que la chair. La chair est mortelle, l'esprit est immortel. Oui, le Père est plus grand que le Fils. Autrement dit, l'esprit est plus grand que la chair. Vous comprenez bien. Le Père est plus grand que le Fils. L'esprit est plus grand que la chair. L'esprit. Hein? C'est Jésus-Christ en tant que Père, en tant que Dieu. La chair, c'est l'enveloppe qu'il prend dans Maria. Pour le carré de mourir. Et c'est enveloppe ça qu'a crucifié. C'est enveloppe ça l'a quitté. Là, il dit, il rendit. Et Jésus-Christ rendit l'esprit. Ça veut dire. L'esprit a quitté l'enveloppe là, quitté le corps. Corps qui est inférieur là. Il a quitté. Donc, nous sommes capables de comprendre que, dans une série de bagailles, si nous ne connaissons pas, nous périssons par des personnes qui parlent de mon Dieu, qui parlent de mon Dieu, rien. Et nous sommes que, texte a dit, il connaît les vicieux, il voit facilement les coupables. Donc ça veut dire Dieu pas prélé. Il y a un monde en justice qui n'est pas un vicieux, qui n'est pas un coupable. Il faut qu'on soit coupable, il faut qu'on soit pas correct pour Dieu prélé dans la justice. Quel que soit le monde. De pouvoir Dieu prélé en jugement au pays. Parce qu'on ne peut jamais justifier devant. Ou pas jamais qu'à paraître devant Dieu pour qui sort, qui est-ce qui va le défendre. Puisque c'est devant Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, pour aller en jugement. Alors, nous allons regarder l'autre texte encore. Nous allons regarder dans Job 33. Nous allons lire à partir de verset 5. Alors, il dit, si tu le peux, Job, réponds-moi, défends ta cause, tiens-toi prêt. Devant Dieu, je suis ton semblable. J'ai été comme toi, formé de la boue. Ainsi, mes terreurs ne te troubleront pas et mon poids ne saurait t'accabler. Mais tu as dit à mes oreilles et j'ai entendu le son de tes paroles. Je suis pur, je suis sans péché, je suis né, il n'y a point en moi d'iniquité. Devant Dieu. Pabli et Matthieu 7 l'a dit, héros les pauvres en esprit. Ça dit bénédiction pour le monde qui reconnaît qu'elle par vaut rien devant mon Dieu. Parce que peu importe où t'arrives. Comme des anges. Dans le royaume, mon Dieu. Ou pas jamais juste devant mon Dieu. Ou pas jamais digne devant Dieu. Jamais. Donc, et Dieu trouve contre moi des motifs de haine. Il me traite comme son ennemi. Il met mes pieds dans les cèpes. Il surveille tous mes mouvements. Je te répondrai quand cela. Tu n'as pas raison, Job. Car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui? Parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions.
Donc, personne n'a pas camper pour discuter avec bon Dieu ou questionner bon Dieu pourquoi on fait tel bagaille. Qui doit ou? En Pérou, pourquoi on demande pourquoi on Pérou? Ah bon? On va demander des problèmes de tête passe en Haïti. On va poser bon Dieu des questions pour ça le passer. Aucun monde bon Dieu pas mourir là-dedans, non? Pas aucun chrétien qui a un problème de terre, non? Aucun chrétien, aucun monde bon Dieu sauvé pas mourir dans le problème de terre. Aucun monde qui a l'esprit bon Dieu pas mourir là-dedans. Dans Luc 13, là, il dit, monsieur, on vient contre Jésus, on dit Jésus, mais. Regardez ça, Hérode fait. Hérode, tout yon paquet de Galiléens. Il prend sang, il mélange sang avec sang sacrifice là, et puis il offre sur l'autel là. Jésus répond, monsieur, il dit, monsieur, bon, dis nous, bagaille. Nous, comment ça passe? Est-ce que nous pensons, moun Galiléens, ça, Hérode, tout yon, nous pensons qu'ils étaient plus coupables que moun sa yo kap viv la kon ya? Il dit, m'ap di nou ke yo pat plus coupable. Si nous pas repenti nous, n'a passé même gens. On l'autre équipe retourne dit Seigneur. Gen 15 am 18 moun tout si loya. Bon regarde texte plutôt. On regarde texte parce que talent n'a retourné pour capable monter ça, c'est peut-être. L'aime dit pas gen moun bon Dieu pour un tremblement de terre, nous doit saisir, nous dit mais ça c'est a fait pas frère, mais dis-moi sauve lui. Moi, je ne sais pas qu'on quitte son tremblement de terre, il faut tout y servir, servant lui, ça va en fait. Moi, je vais te faire une pratique avec un tremblement de terre, ça va être sens. On servant qui a prié bon Dieu, on tremblement de terre, ou bien il passe dans la voiture, il mourut dans la voiture. C'est que mal fait terre, qui a fait mal fait terre longtemps, il tout y comme ça. Accident d'avion, accident de voiture, machine crasée, vous comprenez? Tout ça, c'est bagaille. Satan va provoquer, va gagner tout ça là. À nous garder texte ça. C'est ça qu'a fort comprendre ça pour toute la vie. Comme il passe, n'a passé, nous pas sous point ça. N'a passé. Alors regardez, Luc 13. N'a plus arrivé jusqu'au verset 5. Luc 13, regardez, pas jamais oublier texte ça. Là regardez un serviteur bon Dieu, monde qui disait serviteur bon Dieu, ouais sorti dans une machine casée, mais connaît ça va pas. Parce que bon Dieu contrôle tout. Il dit et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Il dit, que dit-on nous donc, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le malheur atteint souvent les justes, l'Éternel en délivre toujours. Ou pas qu'à mourir. Pas du tout. Regardez bien, que le texte, parce que souvent, on parle à mon oncle, on parle à mon oncle, texte. Et vous battez ça et puis ça, vous ne comprenez pas. En ce temps-là, Luc 13, verset 1 à 5, quelques personnes qui se trouvaient là, rencontraient à Jésus, racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Donc Jésus qui confirme que Galiléens ça ok, mais les saints ils ont péri. Mon le deuxième exemple encore. Jésus qui dit ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elle fût plus coupable que tous les autres de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Kouna Sinta prenne la 4 tremblement de terre. 200 000 mouna vie ou yon dit qui mourent dans le tremblement de terre. Vous pensez que c'est plus coupable en Haïti? C'est plus méchant? Criminel, eh bien, m'a dit nous non. Mais si respirer, tu n'as pas répondu, il y a péri même dans tout. C'est ça, Jésus qui dit là. On tourne, vidé sous 18 moun, il tue.
C'est comme un monde qui a un bâtiment, l'église bâtiment est fondé avec le tuyau. Ou des mondes à sauver. Mais non, ça c'est le jugement qu'on dit pour le monde. Ça va pas fait. Si tu as la guerre pour vivre la vie de l'évangile, mais il ne va pas vivre sous le monde qui est là-dedans. Tremblement de terre passe, côté serviteur, bon Dieu, servante, bon Dieu, il n'y a pas la gagne. C'est clair. La parole claire sur ça. On va dire que l'église en Haïti est fondée. En pile pasteur mourit. Mais ma boue. Il n'y a pas de plus coupable que nous, qui n'est pas secret qu'on y a qu'à vivre. Donc en Haïti, là, des pasteurs ont fait actualité. Je pense que c'était une et pour t'aider, je vais Jacques Mel qui fait même bagarre. Bon, ça, Jacques Mel a même dit c'est une 14 ans. Qui a fait actualité. En plus, ça qui doit dire que le journaliste a dit, ça, Jacques Mel là, il a conscience qu'elle reconnaît tout. Au moins, il n'a pas pesé le toit parce qu'elle reconnaît. Il dit, mais ça, l'a fait arrogant à tout le Québec, mais dans le sac. Bon, elle dit, mais dans les sacs, elle dit, bon, peut-être son réalité. Donc, ça veut dire, gonser des bagailles qui vivent, bon, on doit vivre. Mon âme vive, la fait salver, bon, il faut vivre sur où. Mais juste pour qu'on vive. Par exemple, on me dit, on doit vivre ce matin là. Il fait compte, Zach, lui, oui. Bon, Dieu va dire, il quitte. Vous comprenez? Il quitte ce matin là, les États-Unis. Là, pour plaisir. Et puis, il vivait au jour comme ça, bon, Dieu dit, bon, on vive, oui. Boum, il mourit, il dit, oh. J'aime te voir un bon monde là. Bon Dieu, qu'on puisse aller comme ça matin. Ou qu'on depuis qu'il est bon Dieu d'elle. La parole de Dieu dit pas jamais bon bagaille qui vive dans la ville. Soit une bombe. Soit une explosion, moun mourit. Que ce n'est pas bon Dieu côté. Bon Dieu qui met, bon Dieu qui pose, bon Dieu qui a le droit pour faire, bon Dieu qui a l'autorisation. C'est ça le dit. Donc c'est un pile bagaille. Pas gagné qu'à faire si bon Dieu va d'accord. Ou à sortir là si bon Dieu parle, les autres vont casser dans l'autre là. Et sous les autres vont casser, bon réseau fait le casser. Bon réseau de l'autre. Et bon Dieu, pas qu'à quitter rien, il veut petit clé. Ou pour un avion, ou dans l'avion à faire, ou dans l'avion à faire coup de goudou, ou être tranquille. Il va rappeler la voix. Si vous croyez qu'il y a plus d'avant, la plus d'avant, oui. De vous croyez qu'il y a plus d'avant, ou écraser, ou alors, en fait. Parce qu'on dit la foi, son bouclier qui est lié. Son bouclier qui l'a pour éteindre les traits enflammés du malin. Puisque tout accident, quel que soit accident, bien aimé, autant de faits dans le monde. Yo, yon pa fait par hasard, pa gen accident par hasard, pa gen fò pran voiture ou antre nan pote lè ki par hasard. Pa gen a fè wap ou lè la, ou pè di fwa alvi nan pote moun moun gen krason moun bou di par hasard, non. La yon va pouye bon bou di bon Dieu, nan vie expédition moun a fè pati ke se voiture ki pou al exécuter expédition, aucun vagabond, aucun malfaiteur. Parce que moun nan gen va fè expédition ni, et di kou nan se voiture la ka la kompli expédition pou li pas pou pa koy. Pas aucun accident qui saint. Ou bien mettre des mouna, ou mon auteur, ou mettre des autres mouna, ou accident moto la mouna moui, menti, il pas saint. Mais il y a un accident moto qu'on est fait à saint matin, il n'y a pas fait saint. Mais il y a un accident voiture, il n'y a pas fait saint. Pas fait. J'étais comme monsieur qui moui, et zone côté Seyel, il était cool sac. Mais c'est une machine qui est en panne, il descend. Voiture pour la pousser, juste pour le pousser, pour l'avancer, voiture. Voiture, il juste fait battre sur lui, le tout. Comment on comprend ça? Il est juste battre sur lui, le tout. Mais non, ça va pas. Il va pas faire comme ça. Le monde contrôlé par une force ténèbre. Mais force ténèbre, ça a une force supérieure qui contrôle lui. Et qui permet que, dans le contrôle là, Dieu doit laisser les choses faites en fonction de qui le monde a payé les conséquences. Et comment mon ça agit par rapport à Dieu. Et ça que dans Somme 73 ans, serviteur à doux, toutefois mes pieds allaient glisser, car je portais envie hein, aux insensés.
nous porter envie avec l'homme méchant. Parce que moi l'homme méchant tellement à l'aise. Il va souffrir même à nous même qui chrétiens. Tout bagarre est bien pour lui. Hein, le gars des païens, il y a belle machine, il y a gros caille, il a voyagé, il y a bel job. Et gauche dit moi regarder moi tellement bien à l'aise, on est tellement confortable, on a des jets privés, pas même mon Dieu non. Ou même pas même qu'à manger.